Coucou tout le monde, c'est Sarah et aujourd'hui je vais faire un vlog. Donc j'ai pas parlé avec vous pour beaucoup de temps, depuis beaucoup de temps, mais aujourd'hui je pars pour Poitiers pour visiter mon copain Kevin. Et donc maintenant je me promène à le bus pour y aller. Et oui, et j'ai juste noté que j'ai oublié mon brosse à cheveux, donc je suis pas vraiment heureuse, mais c'est pas vraiment grave. Le week-end va être super, donc oui, c'est parti. Oh là là, mes cheveux sont fous. Dans le bus, j'allais faire mes devoirs, mais qui veut faire ça? Pas moi. Poitiers est seulement quelques heures de Paris, donc c'était facile d'organiser un week-end là-bas, même avec un budget étudiant. J'ai trouvé un billet de bus pas cher et j'ai resté chez mon ami. Merci encore, Kevin. Et voilà, j'avais pas fini mes devoirs à cause de choses comme ça. C'est quoi ce truc? J'ai pas d'idée. Après avoir rencontré Kevin, nous nous sommes promenés et fait quelque chose. Il y avait ce bâtiment cool, ce petit chien, et pour tous mes abonnés américains, écoutez ce clip. Simpson, attention Homer, je suis enterré dans le sable juste devant toi. Ah! C'est trop bizarre, n'est-ce pas? Et surtout, rappelez-vous, on est garé. Ensuite, c'était une boîte. Je blague. Nous sommes allés patiner, mais je n'ai jamais vu une patinoire comme celle-ci. Vous ne pouvez pas l'écouter à cause du copyright, mais la musique était 7-Eleven par Beyoncé. Cette nuit-là, j'ai appris un jeu français très éducatif, comme vous pouvez voir, et après, nous avons formé un groupe de rock hardcore. De l'apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Le prochain jour, nous avons vu quelques autres choses, comme cette église. Je crois que c'est la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers. Ensuite, il était temps de rentrer à Paris. Merci beaucoup pour regarder et désolé pour mes blagues horribles. Si vous êtes intéressé par plus de vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous. À la prochaine!